Bonjour à tous et bienvenue sur CB Maths. Problème de l'avance 16.5. Louis tient un sac avec 30 billes blanches, bleues et vertes. Il sait que s'il extrait 25 billes au hasard, il y aura parmi elles au moins 3 blanches, 5 bleues et 7 vertes. Quel est le nombre de billes bleues contenues dans le sac de Louis? Vous pouvez mettre pause la vidéo pour résoudre le problème. Donc soit x le nombre de billes blanches, y le nombre de billes bleues et z le nombre de billes vertes. Alors ici, on a 30 billes blanches, bleues et vertes, donc x plus y plus z va être égal à 30. Alors si on sait, il sait que s'il extrait 25 billes au hasard, il y aura parmi elles au moins 3 blanches, 5 bleues et 7 vertes. Donc si on soustrait 25 à nombre de billes blanches plus nombre de billes vertes, on va obtenir c'est supérieur ou égal à 5. Ici de la première égalité. Donc première égalité, on va trouver 30 moins y moins z, ça va être égal à 30 moins y plus z. Donc ici, on va pouvoir remplacer ici x. 25 moins, donc 30 moins y moins z plus z supérieur ou égal à 5. 25 moins 30, ça fait moins 5. Moins moins plus y. Les z vont disparaître, supérieur à 5. Donc on va trouver y supérieur ou égal à 10. Maintenant, si on montre que y est inférieur ou égal à 10, on aura trouvé le nombre de billes bleues, donc le nombre de billes bleues dans le sac de Louis. Alors, on recommence avec les billes blanches. Donc 25y plus z supérieur ou égal à 3. Ici, y plus z, et ben c'est 30 moins x, 25 moins 30 moins x, supérieur à 3. Donc x va être supérieur à 8. X supérieur à 8. Et ensuite, 25 moins x plus y supérieur ou égal à 7. Et donc, x plus y supérieur ou égal à 18. Donc ça veut dire que y va être inférieur à 18 moins x, qui est lui-même inférieur à 18 moins 8, 10. Donc y va être inférieur à 10. Donc y supérieur à 10, y inférieur ou égal à 10. Donc, conclusion. Louis a 10 billes bleues dans son sac. Bien, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.